Donc, comme vous le voyez sur le partage d'écran, je vais vous parler donc de la décision du Conseil d'État, donc comme porte-parole. Donc, vous rappelez qu'en tête, dès le 22 mars, nous avions alerté sur la décision de confinement dans les établissements médico-sociaux, donc c'est-à-dire les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil, les pays de vie, les institutions médico-éducatives. Madame Cluzel avait décidé d'une interdiction formelle des sorties collectives et individuelles et l'interdiction des visites au sein de ces structures. Cette décision avait été effectuée par voie de communiqué de presse le 14 mars, mise à jour suite aux annonces du confinement par le Premier ministre. Nous n'avions pas constaté de base légale à cette décision, il n'y avait pas de décret formel, et surtout qu'au vu du droit international des conventions des droits de l'homme, c'est vraisemblablement une décision arbitraire, et que parce qu'en temps de guerre, les personnes restent égales face à la loi, même si c'est le cas. Et donc, nous avions décidé d'entamer une action juridique en saisissant le Conseil d'État le 28 mars pour demander l'annulation partielle de cette décision. Et nous avions demandé donc les mêmes droits que les autres personnes en confinement avec le système de dérogation via un aménagement raisonnable. Et surtout, nous avions demandé une reconnaissance du fait que ces lieux soient des lieux de privation de liberté au même titre que les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Que du coup, il puisse avoir un contrôle indépendant du contrôleur général des privations de lieux de liberté dans ces établissements. Et surtout en temps de confinement, on peut avoir plus de dérives. Et donc, la saisine a donné lieu à une défense du gouvernement. Le Premier ministre et le secrétariat du handicap n'ont pas produit d'observation le 1er avril. C'est uniquement le ministre de la Santé qui est devenu le défendeur au cours de la procédure, qui est quand même étrange. Et la défense a rejeté notre argumentaire sur la base du Code de la santé publique, puisque ce sont les directeurs d'établissement qui sont les plus à même et habilités à faire respecter les mêmes règles que le reste de la population. Le Conseil d'État a retenu cet argumentaire le 8 avril dans son ordonnance et il a rejeté toutes nos demandes en disant que voilà, que la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, s'est bornée à énoncer de simples recommandations destinées aux directeurs d'établissements et services médico-sociaux. Il n'appartient qu'à ces derniers, responsables de l'ordre et de la sécurité dans les établissements qu'ils dirigent, de prendre des mesures permettant d'assurer le respect des consignes et de concilier les exigences sanitaires avec les droits des personnes. En résumé, le Conseil d'État et le ministère de la Santé ne considèrent pas les règles de Mme Cluzel comme contraignantes, mais comme un simple avis, et surtout, il reconnaît que les personnes handicapées ont les mêmes droits et libertés que les autres dans ces établissements. Donc, c'est le directeur des établissements de fait. Donc, est-ce que c'est la réalité, Mélodie? Justement, comme tu l'indiquais, les pratiques, enfin l'application en tout cas des mesures gouvernementales en ce qui concerne la pandémie actuelle est laissée à la direction des établissements médico-sociaux. En fait, ça va se jouer essentiellement en fonction des moyens financiers, techniques et humains, qui étaient déjà des critères qui étaient déjà présents auparavant, mais qui ont été aggravés par la crise sanitaire actuelle. Donc, les informations qui ont été données par le gouvernement, elles sont assez peu claires en ce qui concerne les mesures concrètes à appliquer sur le terrain. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très inégal. Les mises à jour qui ont été, enfin, les mises à jour récentes ont été très, très peu communiquées, très peu étaient au courant. Il y a un effet de goulot d'étranglement en fait, qui se joue, c'est-à-dire que les directions n'ont pas forcément connaissance de la façon dont on applique concrètement la chose sur le terrain. L'information circule très, très difficilement jusqu'aux unités. Il y a beaucoup de personnels administratifs qui sont soit en télétravail, soit en arrêt maladie. Il y a un changement très, très important des personnes qui travaillent sur l'unité. Majoritairement, ce sont des personnels aides-soignants, pas des personnels éducatifs, et qui sont en situation vacataire ou intérimaire, donc qui ne connaissent pas les personnes sur le service. Donc, il y a peu de personnel en fait sur place, il n'y a plus d'activité, il y a la continuité des soins pour les personnes avec un handicap lourd qui est souvent compromise.
Et concrètement, comme je disais, c'est majoritairement du personnel aide-soignant qui ne connaissent pas les résidents et qui ne connaissent pas le handicap concerné. Souvent, dans la même unité, dans le même étage ou dans le même service, on va avoir des résidents infectés et des résidents non infectés. Et les directions qui sont actuellement sursollicitées dans le contexte actuel entre les mesures à prendre pour la propagation du virus avec un personnel médical qui n'est pas formé à la question de l'épidémiologie. Il y a des, on a des, on a des, on a des protocoles en fait de non-propagation qui peuvent très très souvent changer. Donc du coup, enfin, les services sont complètement perturbés et l'accès au matériel comme les surtenues, les masques, les gants, il est difficile. Mais le matériel de santé de base est encore aussi difficile d'accès. Donc du coup, il y a un gros gros problème sur la continuité du soin. Et il arrive très très souvent. Quasi tout le temps, que les personnes infectées soient enfermées à clé pour qu'elles ne soient pas en contact avec les autres résidents. Donc là, on rentre dans la question de la privation de liberté, mais il arrive aussi que des personnes non infectées soient également enfermées à clé dans leur chambre. J'ai vu des services dans lesquels je suis juste passée où tous les résidents, sans exception, étaient enfermés à clé dans leur chambre toute la journée. Sans aucun matériel en fait dans leur chambre, vraiment rien du tout. Et il y a aussi un autre problème qui est que les EMS, enfin les établissements médico-sociaux n'ont pas toujours accès au diagnostic. Donc il est aussi difficile de déterminer qui est infecté et de qui n'est pas infecté. Et du coup, bah, par mesure de sécurité, j'ai vu plusieurs fois qu'on avait tendance à enfermer tout le monde pour être sûr de ne pas, enfin de limiter la propagation du virus. Ce qui en ressort, c'est que enfin, il y a des situations de détresse psychologique qui sont très très difficilement descriptibles. C'est juste, enfin, c'est très très difficilement, c'est pas nommable en fait. Les conditions actuelles psychologiques et parfois physiques des personnes qui sont actuellement en établissements médico-sociaux sont très très difficilement descriptibles. Parce que d'une part, les résidents sont aussi coupés de leur famille. C'est assez peu souvent le cas que les parents puissent avoir un contact avec les parents et les proches, avec les personnes qui sont en institution. En termes de répercussions, j'ai vu plusieurs résidents qui arrêtaient de s'alimenter. Parfois complètement. J'ai vu une augmentation, mais parfois exponentielle, des comportements agressifs. J'ai vu des situations d'automutilation vraiment très difficiles, très très lourdes. J'ai vu aussi des résidents devenir totalement mutiques. J'ai vu des résidents devenir complètement atones. C'est très difficilement descriptif. Ils sont vraiment en situation de grande détresse psychologique et c'est très difficile de composer en fait avec parce que c'est uniquement des équipes tournantes, c'est-à-dire que personne ne connaît les résidents qui ne connaissent pas le handicap. C'est très très difficile en fait de composer avec ça. Il y a aussi une détresse hein, de la part des personnes qui sont sur place et qui essaient de travailler avec ces personnes-là parce qu'on n'a pas de moyens d'agir pour être au moins en support de cette détresse. Marina, c'est là. Oui, bonjour. Donc, c'est moi qui ai appuyé en fait côté juridique de cette requête et j'ai suggéré à Cléautiste, dont je fais maintenant partie, qu'on puisse prolonger. Donc, on ne va pas s'arrêter là parce que la réalité sur le terrain, comme Mélodie vient de souligner, correspond pas du tout à des affirmations des conseils d'État, des ministères de santé, des Madame Clausel. La vérité est cachée, tout simplement, des yeux, des oreilles. Elle est cachée par la presse. Excusez-moi. Et nous avons besoin de faire remonter cette réalité. Nous avons besoin de vos témoignages, donc des personnes. Éducateurs, soignants, des personnes qui travaillent, mais aussi des parents qui ont des échos de ce qui se passe avec leurs proches dans les institutions. Vos témoignages seront
anonymisé. Je sais qu'il y a une peur en France, pardon, qui fait que les gens ne veulent pas témoigner. Et ça, c'est tout à fait compréhensible dans l'état actuel des choses. Mais il y a une procédure d'anonymisation des témoignages qui est tout à fait légale. Donc, vous craignez absolument rien. Et surtout que ces témoignages-là vont être produits aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle on a maintenant accès direct ouvert, parce qu'on a épuisé les voies de recours domestiques. On a saisi le Conseil d'État en première et dernière instance. Ça veut dire qu'au-delà, ça correspond à la Cour suprême, donc la Cour Conseil d'État, au-delà, il n'y a que Cour européenne, et ça peut aller très vite parce qu'on peut faire valoir l'article 39 des conventions européennes des droits de l'homme, qui, dans les états d'urgence, peuvent prendre les mesures provisoires. Donc, quelles mesures provisoires on demande? À la fin, Thibault mentionnait le contrôle indépendant qui appartient donc à la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, actuellement, qui était instaurée, je le rappelle, suite à l'adoption des protocoles facultatifs de la Convention contre la torture en 2008, mais jusque-là, les institutions étaient exclues donc, de la liste des lieux de privation de liberté, et c'est complètement injustement parce que, comme on voit maintenant, il y a beaucoup moins de garde-fous dans les institutions que même dans les prisons, parce que si toute la décision de priver la liberté, de sédater la personne, de la ménager, entre guillemets, donc plaquer au sol, et tout ce qui est expliqué ou pas expliqué, Mélodie, parce que je comprends très bien que c'est même, comme elle a dit, c'est, des fois, c'est pas descriptible. Si toutes ces décisions qui violent l'intégrité physique et psychique de la personne sont laissées à la direction d'établissement, c'est qu'on revient vers la loi d'asile de 1838, qui était abolie il y a quand même 50 ans, 52 ans, 68, quand les directeurs des établissements, des asiles, étaient à décider de la vie et des morts des personnes. Donc on est là, exactement. C'est pour ça que j'ai appuyé encore une fois sur l'importance des témoignages. Ces témoignages, bien sûr, vous faites parvenir à Cléautiste. Il faut qu'ils soient signés de votre nom et votre identité. Au mieux, rajoutez votre copie des pièces d'identité, mais si vraiment ça vous, comment dire, ça vous met une peur bleue, on peut comprendre ça, mais quand même, l'identité doit être déclinée, nettement, et votre adresse, donc au cas où la Cour peut vous contacter, mais encore une fois, et ce sera totalement anonymisé. Voilà, je laisse la parole, je pense, à Thibault pour conclure. Donc, nous soutiendrons cette action juridique sur la base des témoignages concrets qui sont les établissements. Donc, évidemment, ce sera anonyme, mais nous encourageons à parler car plus de gens dénonceront, justement, plus on sera fort ensemble, on n'aura pas peur. Ces témoignages donc, peuvent être divers et variés, mais ils peuvent concerner autant la façon dont le confinement est vécu par les familles, les soignants les proches, et qui constatent donc, le fait que ce que dit Mme Fidel ou le CE, c'est que non, ça ne respecte pas les droits des résidents, non, le confinement total a été appliqué et ils ont suivi à la lettre les recommandations, etc. Et sans compter l'augmentation des maltraitances. Donc, tout est utile pour nous et donc nous appelons à ces témoignages. Après, nous allons passer du coup à les questions aux réponses que vous préférez, des choses que vous souhaitez. Si quelqu'un a des questions ou souhaite échanger sur le sujet, vous pouvez réactiver votre micro et parler, ou alors utiliser l'onglet de conversation. Ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Oui.
Il faut peut-être laisser quelques minutes si les personnes ne sont pas habituées à cette interface, donc laisser quelques minutes de réagir. Attends. En laissant ce temps réagir, je voudrais quand même ajouter que notre requête était rejetée et elles étaient toutes rejetées jusqu'à là, toutes les requêtes contestant les décisions de l'État dans le cadre des mesures prises contre l'épidémie de COVID-19 étaient jusqu'à là rejetées. On ne peut pas quand même ouvertement accuser le Conseil d'État de complaisance avec l'État même. Mais ce qu'on observe, qu'il y a quand même absence de critique envers les mesures, quelles qu'elles soient, envers des prisonniers, envers des personnes sans domicile fixe, etc., etc. Il y a une, comment dire, moi je perçois ça comme la stratégie juste éteindre le feu, de ne pas laisser le feu se propager parce que tout le monde est pris au dépourvu. Simplement, ce qui est très très grave, que personne ne parle de ces personnes handicapées qui vont peut-être jamais parler pour eux-mêmes, parce que on comprend bien quelles personnes et dans quel état sont dans ces institutions. Ils sont sédatés, ils sont des fois les problèmes, très souvent les problèmes de communication. Voilà, je vois qu'on a eu une Alors, il question. y a une question par conversation sur l'onglet de conversation. Il y a également le membre Lefebvre qui a levé la main. Je vais activer le micro de Lefebvre. Oui, bonjour. Si je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Voilà, je représente l'association OHSTTE et je voudrais savoir comment on pourrait vous aider à aboutir de façon qu'on supprime ces institutions et qu'on aille jusqu'au bout. Voilà, et ce n'est pas admissible qu'on y ait cette maltraitance. Quelle que soit la situation où on se trouve, sanitaire où on se trouve, on n'est pas en guerre, on est en guerre contre quelque chose peut-être qu'on ne voit pas, comme on nous dit si bien, et qui est le prétexte à beaucoup de choses, et notamment de faire passer des ordonnances à voiture. Voilà, ça met à voir l'opinion des personnes proprement dit. Et là, on est en plein drame. Est-ce que je peux répondre justement à ce que vous abordez? Merci beaucoup. Ce que vous abordez comme problème, qu'on n'est pas dans l'état de guerre, je le rappelle quand même, qui est même un état de guerre, un état exceptionnel, les traitements inhumains et dégradants sont quand même pas autorisés. Ça fait partie des droits non dérogables. Il y a très peu de ces droits non dérogables, mais ça fait partie. Et justement, quand vous dites qu'on dépasse tous les bornes, ce sont même pas les ordonnances dont la France est gouvernée ici, c'est les publications sur le web. Les publications qui changent de jour au jour, qui sont très difficilement cernables et qui sont surtout pas contestables. Parce que ce qu'on a fait, on a contesté l'ordonnance qui était uniquement publiée sur le web et on nous a refusé cette action parce que justement c'était pas une ordonnance, alors qu'elle s'appliquait, elle s'applique, elle continue à s'appliquer sur le terrain. Donc, à votre question, comment vous pouvez nous aider? Donc, on a appuyé notre demande des témoignages. Si autour de vous, si dans votre association, vous avez des personnes ou les parents de personnes qui sont concernées par la mesure d'enfermement dans les institutions, s'il vous plaît, il faut les convaincre de témoigner de manière identifiée. Pas juste nous parler, envoyer un mail, voilà, j'ai vu ça ou voilà, j'ai entendu ça. Ces descriptions précises et concises des choses avec l'identité. Voilà. D'accord. D'accord. On va passer à la question suivante. Il y a Alban qui demande, est-ce qu'un directeur peut toujours se prononcer contre les sorties des personnes malgré les nouvelles mesures d'assouplissement des sorties? Alors moi, je peux expliquer ce qui se passe sur le terrain. Marina, tu peux nous dire. Marina. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah sur le terrain. C'est pas forcément, enfin moi ce que j'ai vu en tout cas, et je ne sais pas si c'est comme ça que ça devrait se passer en tout cas, c'est que c'est pas la direction, en tout cas là où j'ai été, qui a pris la décision, c'était le médecin. Donc en accord avec la direction, mais c'est le médecin qui déterminait si les personnes avaient le droit ou non de sortir, sur quel périmètre.
Après, dans d'autres, c'était l'organisation, donc la direction qui donnait des directives un peu floues et le personnel qui s'adaptait parce qu'on enfin, des temps parfois un petit peu au mieux en fait pour sur le terrain ce qu'on peut faire. Mais ça va être vraiment très très hétérogène. Hein. En gros, sur le terrain, c'est un peu le bazar et c'est un peu à qui va prendre une initiative et généralement c'est le médecin qui détermine et la direction qui approuve. Je rajoute à ça que quand même, parce que peut-être ça a passé un petit peu inaperçu l'information que lundi soir, c'est le jour de l'audience devant le Conseil d'État quand notre affaire était traitée, il y a eu un changement à 180 degrés de recommandations qui sont, en fait, on sait maintenant, juste un simple avis de Mme Cluzel, qui était très, comment dire, publié en dehors des influences des heures de l'audience, après 8 heures du soir, je pense, où Mme Cluzel disait que oui, maintenant, les personnes dans les institutions peuvent aussi sortir au même titre que les personnes dans les familles, etc. Et elle a changé, donc, dans son communiqué de presse, elle a changé ce paragraphe qu'on a contesté en mettant à la place tout détaillé, donc, ils peuvent sortir et faire ça, ça, ça. Sauf qu'il y a un point qui dit que c'est toujours soumis à l'avis médical. Et comme vient de dire Mélodie, ce avis médical prime au-dessus. Et on sait très bien quel médecin et comment il décide. Il ne s'agit pas de médecins qui vont dire qu'il y a des problèmes respiratoires, cette personne ne peut pas sortir. Il s'agit de psychiatres qui sont habitués de, tout simplement de restreindre la liberté, de sédater. Et bon, je ne veux pas quand même mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'on sait très bien de qui il s'agit. Et surtout, que c'est absolument pas normal que la liberté d'aller et venir, la liberté principale et la dignité de la personne, là, son intégrité physique, soit conditionnée à l'avis arbitraire du médecin et après à l'avis arbitraire de la direction. Voilà. On va passer à la question suivante de Rémi. Comment se compare la situation dans les pays pratiquant un confinement similaire, Italie, Espagne ou presque, comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, le Portugal ou le Tchéquie? Arina, je pense que c'est peut-être toi qui vas pouvoir... Il y a beaucoup de pays qui étaient passés en review. C'est très difficile à la distance d'observer ce qui se passe. Moi, je peux dire précisément ce qui se passe, par exemple, en Grande-Bretagne, où d'abord, donc, où les lieux, les institutions sont reconnues comme lieux de privation de la liberté depuis quelques années. Il y a une nouvelle loi et qui sont soumis à leur contrôle, et surtout les procédures de privation de liberté dans ces institutions sont soumises à des, comment dire, des étapes juridiques précises, et où c'était décidé au début donc à peu près les mêmes mesures comme en France, interdiction des visites, interdiction des sorties, et où dernièrement, mais de manière très officielle, c'était une publication d'un acte, d'une loi, qui doit être respecté et qui n'est pas juste un avis, décret, ordonnance, etc., où c'est dit que les personnes avec l'autisme, les personnes avec les problèmes du comportement et de stress psychologique, les personnes avec problèmes de santé mentale, sont autorisées à sortir, un peu comme en France, les personnes qui se trouvent dans la famille, et surtout recevoir des visites de leurs proches. Donc ça, c'était quand même pas autorisé, même dans le geste humain et généreux, je mets ça entre guillemets, de Mme Cluzel. Donc dans les autres pays, Espagne, République tchèque, je sais pas, je sais que dans ces pays-là donc, qui étaient cités, déjà en temps normal, la liberté ne fleurit pas. Je veux dire pour les personnes handicapées, mais très, très difficile de parler pour toute l'Europe, voilà. Concernant la demande de témoignage qu'on est en train de diffuser, oui, on va préparer un document et qu'on vous demandera de relayer, qui sera disponible et qu'on va essayer de diffuser au maximum. Est-ce que cela inclut les unités psychiatriques? A priori, non, parce que d'après Marina, ça ne rentre pas dans les établissements médico-sociaux. Surtout que, Emelody, excuse-moi, surtout que les établissements des HP, en fait, sont soumis au contrôle par la contrôleuse générale des lieux de privation de la liberté, qui est récemment d'ailleurs intervenue en visioconférence. Je participais à cette visioconférence, je lui posais la question. Il était, comment dire,
plutôt rassuré pour les hôpitaux. Il a dit la seule chose qu'il a en quête, qu'il a beaucoup de patients qui étaient justement relâchés, sont renvoyés chez eux, et sans soins, sans monitoring, et c'est ça qui lui posait le problème. Mais de toute façon, on n'a pas notre demande, notre requête ne concernait pas des hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas dans la sphère, disons, d'influence ou sphère de compétences de Mme Cluzel. On se demande toutefois qu'est-ce que c'est sa sphère de compétences, parce que c'est vraiment très imprécis. Voilà. Alors, l'autre question, c'est de savoir si on peut recueillir des témoignages de personnes en institution, qui ont, par exemple, un handicap moteur et qui sont sous tutelle. Absolument, absolument. C'est, donc, la personne, même sous tutelle, elle a droit de donner son témoignage du moment qu'il souhaite, que c'est son souhait. Maintenant, comment le faire pratiquement? C'est au cas par cas, parce que j'imagine si la personne a accès à des moyens de communication, il peut le faire, il peut même ne pas signer, parce que j'imagine qu'il peut être scanné, etc., ça peut poser le problème, mais quand même décliner l'identité. Voilà. Il n'y a plus de questions? Pas pour le moment. Okay. Vous pouvez, comme le Fèvre, raising your hand, lever la main, je crois que c'est si vous souhaitez poser une question ou bien sûr l'écrire sur la conversation de groupe. Est-ce qu'on peut enregistrer une conversation téléphonique avec l'accord de la personne? Oui. La personne doit être explicitement prévenue que la conversation sera enregistrée, donc on est dans le cadre de la loi dans ce cas-là. Après, ça peut être, comment dire, ça dépend qui va exploiter ça, si c'est un tribunal impartiel et qui veut vraiment connaître la vérité, on va l'exploiter. Si c'est un tribunal, comme on voit beaucoup maintenant, enfin, jugé de manière arbitraire en France, ça va être bien sûr non exploité, mais toujours c'est beaucoup mieux que rien. Je dirais même que c'est vraiment quelque chose. Déjà pour savoir connaître le nom de l'établissement et les faits, donc on peut le faire valoir. Je rappelle aussi que selon plusieurs jugements que je ne vais pas citer maintenant ici, jurisprudence européenne, l'État a une obligation d'investiguer tous les faits rapportés des maltraitances, des traitements dégradants, sans attendre être convaincu que ça existe vraiment. Du moment qu'on signale quelque chose, qu'on dit dans tel établissement, mais le signalement doit être concret, dans tel établissement, c'est produit ça, ça et ça, et à peu près la date. Dans ces cas-là, l'État a l'obligation de investiguer ça. D'accord? Après, l'État, la France, abandonne ça, ça fera pour nous un argument supplémentaire d'attaquer la France devant la Cour européenne. Donc, l'autre question qui est, est-ce que l'avis médical favorable d'une infirmière de l'établissement peut suffire à s'opposer à l'autorité du directeur concernant les droits de sortie? Alors, on ne sait pas, parce qu'encore une fois, on est dans le flou juridique total, et ce n'est même pas flou, c'est le vide juridique total. Il n'y a pas de procédure de privation de liberté, il y a juste l'avis des directeurs. Bien sûr qu'après coup, vous pourriez le contester, donc, mais faut-il encore que vous ayez le refus explicite des directeurs faire appliquer les mêmes droits à la personne concernée qu'à la générale des populations. Moi, je conseillerais vraiment à tout le monde de réunir les traces, écrire les mails. On ne peut pas enregistrer sans informer la personne avec qui vous êtes en conversation d'enregistrement, mais envoyer les mails, envoyer encore les mails, et rien que l'absence de réponse à plusieurs mails,
peut être explicite en soi-même. Donc, on peut faire valoir qu'on a demandé plusieurs fois, c'était pas, il n'a pas eu de réponse. Donc, mais c'est très, très important de aussi montrer ça, que, en fait, c'est rester la lettre morte, tous ces bons souhaits des Madame Pleuzel. Voilà. Pour répondre enfin, plus pragmatiquement à la question par rapport à ce dont on appelle ça, d'une façon générale, dans les organisations médico-sociales, il y a une hiérarchie assez importante entre le domaine médical et le domaine paramédical. Et une infirmière n'a pas autorité normalement pour faire ça. Mais après, l'infirmière fait remonter les informations au médecin et le médecin reste décisionnaire. Après, c'est le directeur qui reste dernier décideur. Pour s'opposer à l'autorité du directeur, je pense pas. Après, c'est vraiment à voir à l'intérieur de l'organisation quel jeu se joue en fait dans les influences, dans les différentes influences en fait, parce que c'est toujours des jeux d'influence qui sont internes à chaque organisation. Donc c'est vraiment à voir, c'est du cas par cas quoi. En tout cas, il faut bien, il faut bien penser que même si on réussira maintenant, instantanément, changer les choses, mais je pense qu'on a réussi déjà, rien que ce changement à 180 degrés opéré l'an dernier par Madame Pleuzel, même si ce n'est pas effectif ou pas partout effectif, en soi-même, je pense que c'est très significatif qu'il a pris peur, qu'il fait n'importe quoi, et il fait n'importe quoi. Et donc, il faut montrer qu'il y a une société civile, qu'il y a l'opposition à cet arbitraire, à toute puissance, et surtout au mépris des personnes handicapées, parce qu'on ne vous a pas montré toute la motivation qui a été exposée par Olivier Véran, c'est parce que c'est lui qui était ses porte-défendeurs. Mais quand on lit dans le paragraphe qui s'appelle « L'enfermement était consenti », et on est surpris, ah bon, et il ne s'agit même pas une seule fois des quelconques tentatives de recueillir le consentement des personnes mêmes. En fait, il s'agit toujours des familles. Les familles ont consenti, laissé leurs proches, etc. Donc, ces personnes-là sont considérées comme des objets, et ça, c'est gravissime, et ça doit cesser. Vraiment, on se bat pour ça, et c'est pour ça que je dis, à long terme et même au moyen terme, c'est extrêmement important de déclencher ce processus des contestations, de cette objectivation des modèles médicaux qui règnent toujours en France et qui fait des dégâts terribles dans les vies personnelles, qui détruit les vies, et j'en sais quelque chose. Donc, il faut vraiment penser que c'est maintenant le moment de commencer vraiment attaque frontale contre ces institutions, et pas juste rester « Oui, pourquoi les médias ne parlent pas de nous ? Qu'est-ce que c'est ça ?» C'est nous maintenant qui devons parler, qui devons agir. Et voilà, c'est comme ça que ça va commencer. Donc, il y a la question de savoir quel est le public concerné par notre demande de témoignage. Est-ce que c'est uniquement les personnes autistes en institution ? Si je peux me permettre de répondre, c'est toutes les personnes institutionnalisées. On porte la requête comme collectif de la liberté d'expression des autistes, mais ça concerne toutes les personnes qui sont institutionnalisées, qui sont en institution. Parce que les problématiques institutionnelles rencontrées par les autistes, par les personnes autistes en institution, elles concernent également tous les handicaps en institution. La personne répond sauf psychiatrie. En fait, le truc, c'est que la psychiatrie ne relève pas en fait du domaine de compétence de Madame Cluzel. Donc, nous, au titre de d'association de défense des droits des personnes en situation de handicap, ça nous intéresse seulement pour cette requête en particulier. On ne pourra pas l'utiliser en fait, et c'est le problème qu'on rencontre. Mais moi, je rajouterais, ça sera quand même utile s'il y a des témoignages dans ce sens pour les personnes qui sont dans les HP, qui subissent aussi privation de liberté arbitraire. Ça sera très intéressant de le rajouter, même s'ils ne seront pas pris en compte comme un global de notre requête. Ça crée quand même la vision globale, ça crée le contexte, et c'est extrêmement important pour nous, ça nous importe. Encore une fois, c'est uniquement dans le sens, dans le cadre juridique, qu'on ne peut pas
présenter leur situation avec la situation de personne en situation, parce que comme j'ai expliqué, c'est des différentes situations juridiques, mais on va utiliser ça quand même. Donc moi, j'encourage les personnes qui sont concernées ou parents des personnes qui sont concernées à témoigner aussi, et ça nous aidera grandement. Donc Thibault ajoutait qu'on ne sait pas qui a rédigé les consignes pour les hôpitaux psychiatriques. Tu peux remettre ton micro aussi. Hein. En fait, il n'y a pas plus, je pense, des consignes pour les hôpitaux psychiatriques que pour en temps normal. De toute façon, les hôpitaux psychiatriques sont, comment dire, l'hospitalisation sans consentement, c'est-à-dire personne même dont pas consentement. On le hospitalise quand même, d'office. Normalement, elle a accès au juge des libertés et détention dans le délai de 12 jours avec présence d'un avocat. Et c'est ça qui était suspendu, comme presque toutes les procédures non urgentes devant les tribunaux français. Alors que je peux vous dire ce que c'est procédure urgente devant les tribunaux en ce moment, les tribunaux judiciaires. C'est par exemple le bilan financier d'une personne sous tutelle. Ça, c'est considéré comme une procédure urgente. Et ça, cette réponse-là, je l'ai copiée, collée sur le compte Twitter. Je peux encore la rajouter une fois pour faire démonstration qu'est-ce qui est considéré comme une urgence. Ce n'est pas les vies humaines, c'est l'argent. Et l'argent, bien sûr, qui est géré par les organisations tutélaires. Voilà. Donc, il y a une autre question. Donc, il y a un membre qui peut relayer la demande auprès de parents militants d'Autisme France, ses amotismes ou autres, et il se demande les rapports que nous entretenons avec ces associations et si le fait de relayer auprès de ces associations, c'est pertinent. Alors, les rapports qu'on peut avoir avec certaines associations de parents sont parfois un peu tendus. Je pense que c'est peut-être plus que jamais le moment de faire front commun pour cette question-là, parce qu'il y a peut-être des parents qui sont concernés parmi ces associations-là. Enfin, on est complètement ouvert à travailler de concert avec les parents, et c'est au contraire. Enfin, moi, je suis aussi maman d'une personne autiste, donc c'est important là maintenant tout de suite de relayer au maximum, que ça touche le maximum de personnes, parce que les personnes concernées, ça englobe également des parents de personnes autistes qui ont leur enfant en institution et qui sont peut-être en situation également, dans les situations qu'on est en train d'évoquer. En tout cas, il faut distinguer, je pense, les gestionnaires des associations nommées et les parents qui en font partie, parce que je connais pas, en tout cas personnellement, une association nationale en France des parents des enfants autistes ou handicapés tout simplement qui soit sur la même longueur d'onde que par exemple les autistes. Ils sont tous dans le paternalisme, dans le modèle médical, et pour les parents c'est souvent subi, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas d'autres modèles, ils sont mal informés, ils pensent qu'entre institutions et assumer leurs enfants adultes à la maison, il n'y a pas troisième solution. Or, cette troisième solution, elle existe sur le papier, elle existe dans la loi, mais elle n'existe pas en réalité. Et parce que, tout simplement, l'argent qui devrait financer cette solution, c'est-à-dire la vie indépendante avec le support, il est détourné par les associations qui sont citées, peut-être pas Autisme France, je ne sais pas si Autisme France, c'est un mélange. C'est Amotisme, il y a une association gestionnaire. Ouais. C'est Amotisme, oui, parfaitement, oui, c'est une association gestionnaire, donc ils sont détournés par ces associations, mais c'est souvent à l'insu des parents, c'est-à-dire parents qui sont engagés dans leur bataille depuis des dizaines d'années, bien sûr qu'ils ne lèvent pas le nez du guidon et ils ne savent même pas que ça peut exister. Donc moi, je dirais bien sûr oui pour les parents. Après, je ne vois pas comment on pourrait se battre avec les associations gestionnaires contre leur business. Hein. Ça m'apparaît un peu compromis.
Donc, il y a quelqu'un qui dit que clairement, si les parents sont mobilisés, ça aurait plus de poids parce que nous, en tant que professionnels, on prend des risques à mettre la pression sur la direction. On prend aussi des risques à témoigner. On prend aussi des risques à s'afficher comme étant militant sur la question institutionnelle. Mais c'est ce qu'on disait hier quand on préparait, cette conférence de presse. C'est que justement, plus on sera nombreux et nombreuses sur le terrain à avoir cette posture et à assumer ouvertement cette posture, et moins ce sera risqué en tant que professionnel d'avoir cette posture. Et ça vaut pour tous les domaines, en fait, pour toutes les personnes qui travaillent, qui sont en contact ou qui font de la recherche sur la question institutionnelle, sur la question plus globalement de la défense des droits des personnes handicapées. Plus on sera nombreux à s'afficher, à témoigner et à vraiment ouvertement défendre nos positions, tout en ayant une posture professionnelle et en respectant ce qu'on fait dans notre travail, et moins ce sera risqué de le faire. Et donc, si on avait aussi l'appui des parents, c'est vrai que ça serait beaucoup, beaucoup plus facile. Il avait aussi une remarque dans cette question qui est importante. Si ça, tout simplement, comment dire, si ça ne peut pas être contre-productif en mettant la pression sur la direction, c'est une très bonne remarque. Il faut, je comprends que dans les situations urgentes qui est maintenant, oui, ça peut agir, comment dire, des fois paraître contre-productif. Néanmoins, je ne pense pas que votre témoignage va directement aller contre votre directeur d'établissement, d'une part. D'autre part, à court terme, même en étant très optimiste, je ne pense pas qu'on pourrait changer, comme je dis déjà, beaucoup de choses. C'est à moyen terme, c'est déjà vers la fin ou après le confinement qu'on pourra faire le compte. Toutefois, en mettant la pression, en montrant qu'on existe, qu'on fait quelque chose, ça permet peut-être pas mettre la pression, mais discipliner les gens, de montrer qu'il y a, les règles, il y a la loi, et surtout que les personnes dont ils ont la charge sont les êtres humains. Donc, voilà, j'espère que dans toute cette dialectique, un peu, j'ai pu répondre un peu à la question. Mm-hmm. Sur la question des cas personnels, c'est-à-dire de cas individuels pour lesquels il y a vraiment une nécessité et une urgence de faire pression sur la direction. La meilleure, à mon sens, la meilleure posture à adopter, c'est vraiment d'être factuel. De contenir entre guillemets l'émotionnel et d'être factuel en expliquant telle personne présente tel critère de gravité, et pour cette raison je pense qu'il est extrêmement important, en application des mesures d'assouplissement de patatoufin, qu'elle puisse avoir accès. Mais c'est important d'être factuel en fait, et de vraiment garder une posture professionnelle et neutre, parce que sinon ça peut monter en fait en tension. Et là, c'est vraiment le moment où il faut rester calme et défendre de façon factuelle et neutre. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions potentielles, je pense. Il me semble. De toute façon, on reste tous les trois mobilisés pour répondre à vos questions de l'ordre organisationnel, juridique, militante. Voilà, donc on nous contactait, surtout que les autistes, on se tient bien sûr au courant. Mm-hmm. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. On a enregistré la vidéo, on la publiera. Thibaut, je te laisse peut-être conclure. Merci pour votre présence. Et on espère vraiment une grande mobilisation, et partager aussi sur les réseaux. On va sûrement publier cette vidéo.